Bonjour à toutes et à tous, les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle série en perspective, puisque j'avais déjà fait ce jeu en let's play lors de sa démo publique sur le Nintendo eShop, et je dis enfin le jeu, du coup je vais pouvoir vous proposer un vrai let's play complet sur tous les chapitres de Dragon Quest Builders. On est donc pour l'épisode numéro 1 de notre nouveau let's play. Je me rappelle un peu du début du coup, puisque j'ai déjà fait ce jeu en let's play, au tout début, bien évidemment. Donc on va commencer dans les plaines de Quintlin, des terres de plaines et de plateaux situés au sud de Redguard, qui accueille jadis une cité aux fortifications redoutables. J'ai des petits problèmes par contre avec mon boîtier d'acquisition, les amis, donc il peut y avoir des petits bugs. En effet, j'ai des petits grésillements. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce ne s'attende pas trop. J'essaierai de régler ça par la suite, mais j'ai des petits grésillements dans l'audio du jeu, je n'ai pas fait grand chose. C'est encore dû à ma configuration de mon boîtier d'acquisition, donc il faudra que je voie plus tard. Bref, c'est le moment de créer votre personnage. Donc moi je m'en fous, je crois un personnage normal. Hein. On va appeler bien évidemment Zarya. Hein. Ou pire, tiens, pour une fois, on va l'appeler par mon prénom, tiens. J'ai envie de dire, dérogeons à la règle pour une fois et appelons-nous par notre vrai prénom. Hop là. Donc c'est un jeu déconseillé, moins 7 ans je crois. J'ai plus les informations nécessaires à m'apporter. Sorti sur PlayStation 4 et Nintendo Switch du coup. Je suis pas sûr qu'il soit sorti sur Xbox. Développé par Square Enix bien évidemment. C'est un sorte d'RPG build qui ressemble beaucoup à un Minecraft-like. Donc voilà, te voilà enfin. Je suis Lord Dragon, roi des rois, souverain des souverains. J'attends ce moment depuis si longtemps. Approche, viens, prends place à mes côtés. Accepte et je t'offrirai la moitié de ce monde en récompense. Tu ne souhaites pas régner sur la moitié de ce monde? Ne veux-tu pas y réfléchir à deux fois? Rares sont ceux qui déclineraient une telle proposition. Je suis toujours un petit peu enrhumé, si jamais, les amis. Adrien, je t'ai enfin trouvé. Il a suffi d'une seule décision, y réfléchis. Pour plonger cette contrée merveilleuse dans les ténèbres. Mes enfants rampent sur cette terre tels des insectes attendant leur anéantissement impuissant sous ses yeux lugubres. Seul le pouvoir qui t'habite permettra de rebâtir ce monde en ruine. Réveille-toi mon enfant, accomplis ton destin. Adrien, mon enfant, tu te réveilles enfin. Te rappelles-tu qui tu es? Te rappelles-tu de ce que tu es? Je vois. Tu n'as aucun souvenir du passé. Peu importe, c'est peut-être mieux ainsi. Après un si long sommeil, ton corps est sans doute encore très faible. Lève-toi, mon enfant. Voyons si tu peux te déplacer sans entrave. On se bouge, utilisez le joystick gauche pour vous déplacer et appuyez sur B pour sauter. Dégourdissez-vous les jambes en courant un peu. D'accord, ok. Alors, le gameplay est plutôt complexe, je trouve, à utiliser, donc il va falloir que je me remette bien dans le bain. Fort bien, tout semble aller parfaitement. Tu peux remplir ta mission. Adrien, mon enfant, je t'ai réveillé afin que tu accomplisses une tâche des plus importantes. Une tâche dont dépend le destin de ce monde, lui. Comment? Tu dois certes te sentir un peu faible, mais le destin du monde n'est-il pas plus important que... Oh, pauvre enfant, c'est vrai. Tu es presque au seuil de la mort, ton lot semble t'avoir privé de ta force. Tiens, mon enfant, prends ces pétales blancs. Tu peux les utiliser pour récupérer ta santé. Désolé pour les crépitements audio, hein. Il faut vraiment que je voie d'où ça vient. Adrien, un pouvoir sacré t'a été accordé. Celui d'associer des matériaux bruts afin de fabriquer de nouveaux objets. Tu peux travailler sur cette souche d'arbre. Utilise les pétales blancs que tu as récoltés pour préparer un peu de baume de soin. Oula, les crépitements audio sont... énormes. Il va falloir vraiment jouer. Ok, donc c'est cette pad là. Très bien. Ok, on a créé un baume de soin. Fantastique! Tu viens de réaliser ta première création. Adrien, mon enfant, personne d'autre en ce monde ne possède un tel pouvoir. Le pouvoir de construire de nouvelles choses à partir de matériaux bruts.
Sers-toi à présent du baume de soin que tu as créé afin de soigner tes blessures. Appuyez sur X pour utiliser des outils ou des objets. Utilisez des objets. Vous pouvez utiliser un objet en le sélectionnant grâce au pad, enfin au D-pad, puis en appuyant sur X. Utilisez le baume de soin que vous avez fait bloquer pour restaurer vos PV. Te sens-tu mieux à présent? Je vois que tes joues ont repris des couleurs. Tu as créé ce baume de soin de tes propres mains. Or, les hommes et les femmes qui peuplent ce monde ont perdu ce pouvoir de création. Adrien, mon enfant, tu portes sur tes épaules un devoir sacré. Tu dois... eh bien, oui, je comprends très bien que tu aies envie de quitter cet endroit, mais tu dois d'abord apprendre ce que... Très bien. Je vais te montrer comment construire un cherche chemin pour sortir de ce caveau. Avant toute chose, prends cette branche cassée. Adrien prend bien sa première branche cassée. Bravo, Adrien. Dans cette humble branche cassée sommeille un bâton de cyprès, la plus simple des armes. Approche-toi de la souche d'arbre comme tout à l'heure et utilise-la pour fabriquer un bâton de cyprès. Félicitations, mon enfant. Tu viens de créer ta première arme. L'humanité fabriquait autrefois des outils qu'elle alla utiliser pour bâtir une civilisation florissante. Et comme l'ont fait toutes les grandes civilisations, celle-ci a aussi fabriqué des armes. Mais tu es désormais le seul à disposer du pouvoir de créer de telles choses. Adrien, mon enfant, il t'a été confié la mission divine de... Je conçois volontiers que tu aies hâte de voir le monde extérieur, mais n'aimerais-tu pas en apprendre davantage sur... Fort bien. Pour construire un chemin vers la sortie, tu dois d'abord t'équiper de l'arme que tu as fabriquée. Appuie sur A pour ouvrir le menu principal et prends en main le bâton de cyprès. S'équiper. Armes et armures sont inutiles si vous ne vous équipez pas. Appuie sur A pour ouvrir le menu principal puis sélectionne équipement afin de vous équiper des jouets de votre sac. Alors, équipement, il l'a. Bravo! Les armes ne servant pas seulement à combattre les monstres mais aussi à récolter des matériaux. Toi et toi seul as la capacité de briser des objets et de les transformer en matériaux bruts. Depuis que ce monde a été plongé dans les ténèbres et que l'humanité a perdu ce pouvoir, elle attend la venue de celui qui sera capable de le créer. Adrien, mon enfant, les rêves, les espoirs, la destinée même des habitants de ce monde reposent sur tes épaules. Pour que cette terre puisse un jour revoir la lumière, tu dois accomplir ta mission sacrée et... Adrien, tu n'es pas en train de dormir, n'est-ce pas? Il serait peut-être souhaitable de poursuivre cette conversation à l'extérieur. Ouais, je pense que c'est ce qui est le mieux pour l'instant. Pour construire un chemin te permettant de sortir de cet endroit, tu dois d'abord briser et récolter la terre alentour. Récolte des matériaux. Appuie sur Y pour briser différents éléments et les transformer en matériaux que vous pourrez ramasser, frapper le sol autour de vous et récolter 10 blocs de terre. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. Donc ça, c'est Dragon Quest Builders. Voilà, le gameplay se résout, hein, entre guillemets, à ça. Vous allez voir que, bon, ça devient bien plus complet que ça, hein, comme gameplay. Le jeu en lui-même est extrêmement cool, je trouve. En l'ayant pu le tester pendant sa démo. Il était vraiment génial, mais je n'avais pas pu continuer. Aussi, un autre avantage, c'est qu'on peut bouger la caméra pendant les cinématiques et en appuyant sur le bouton R du joystick, on peut remettre à zéro la caméra. Genre, si je vais trop sur moi, je peux appuyer sur R et ça remet à zéro la cam. Alors, bravo Adrien. Appuie sur X pour placer les blocs de terre sur le sol devant toi. J'ai indiqué pour toi un emplacement. En rouge, place ici un bloc de terre pour construire un escalier et quitter ce tombeau. Je sais plus parler, à force de parler... Placez des blocs, appuyez sur les flèches du D-pad pour sélectionner un bloc et appuyez sur X pour le poser devant vous. Placez des blocs de terre sur les marqueurs rouges afin de construire un escalier. Ok, donc voilà, c'est un jeu plutôt complet quand même, mais il va falloir faire quand même très gaffe parce que, bah, il est plutôt complexe quand vous ne maîtrisez pas, hein, très clairement. Les contrôles étant un peu complexes à prendre en main, je trouve. Je pense qu'on va pas mal galérer, en tout cas pour ces débuts de jeu. Sachant que ça fait un moment que je m'y suis pas mis. Donc c'est pour ça que je dis ça. Évidemment, hein. Le gameplay a beau être complexe. Alors attends, on peut pas prendre la torche? Non, on peut pas encore prendre la torche. Très bien. C'est pas grave.
Donc on va monter. Et on arrive à la fin du caniveau. On peut sortir. Beau travail, Adrien. Tu as trouvé ton chemin vers le monde extérieur. Lorsque tes yeux se seront habitués à la lumière, enfin la luminosité, tu verras s'étendre devant toi le monde d'Elfgard. La lumière l'a quitté depuis longtemps et les ténèbres y règnent désormais, en permanence. Ceux qui vivent dans ce sombre royaume avaient jadis le pouvoir de la création, jusqu'à ce qu'on leur arrache. Sans lui, leur culture a été réduite à néant. Ouais, bah en gros, c'est des idiots, hein, des imbéciles, c'est ça? Donc, Adrien, mon enfant, une mission capitale t'a été confiée. Seul le pouvoir que tu détiens, celui de la création, permettra à ce monde de se reconstruire et au peuple d'Elfgard de se dresser à nouveau. Je te demande pardon? Comment cela tu ne comprends pas? Pardonne-moi, mon enfant. Tu viens tout juste de te réveiller d'un sommeil si long. Tout cela doit être un choc pour toi. Adoptons une approche plus simple. Utilise le pouvoir de création qui t'habite et reconstruis ce monde comme bon te semble. Ce faisant, je ne doute pas que tu accompliras ton devoir. Et c'est également de cette manière que tu finiras par découvrir la tragédie qui t'a frappé ce monde et le rôle que tu joues dans ton salut. Je suis Rubis, l'esprit de la terre. Va, mon enfant, et sache que je veille toujours sur toi. Oh, Adrien, tu dois savoir une dernière chose. Tu n'es pas un héros. Souviens-toi au moins de cela. Les plaines de Cantlin, un royaume en ruine. Et voilà, nous sommes dans cette fameuse zone. Donc là, on voit les différentes zones qu'on ira plus tard. Hein? C'est pas tout de suite qu'on accédera à ce truc-là. Vous inquiétez pas, pour l'instant, on est dans les plaines de Cantlin. Ça sera plus simple, c'est plutôt simple. La terre qui s'étend sous tes yeux était jadis connue sous le nom de Cantlin. Ou Cantlin, hein, comme vous voulez. Il y a de cela fort longtemps, une cité animée et entourée de solides fortifications y prospérait. Mais les attaques de monstres incessants finirent par tout détruire. Il ne reste guère de traces de sa grandeur passée. Adrien, mon enfant, tu dois utiliser le pouvoir qui est le tien pour rebâtir Cantlin et lui rendre sa splendeur d'autrefois. Cela sera la première étape de ton voyage dont le but est de faire renaître Elfgard. A cette fin, je t'accorde un présent. Prends cet étendard de l'espoir et cherche la source de la lumière que tu vois devant toi. Alors, mène que l'obscurité se refermait sur eux, les hommes et les femmes de Cantlin ont brandi cet étendard jusqu'à leur dernier souffle. Plante à nouveau cet étendard sur cette terre afin que sa généreuse lumière soit le symbole du renouveau de Cantlin. Va, à présent, hâte-toi de rejoindre la colonne de lumière. Adrien obtient un étendard d'espoir. Voilà, bon, vous avez compris, on va devoir rebâtir toute une cité. Je pense que vous avez compris cette partie-là du jeu. Je commence à récupérer un petit peu des objets qui pourront nous être utiles plus tard. Parce que du coup, c'est quoi Dragon Quest? Bah, c'est beaucoup de farm. Beaucoup de farm. Donc, on va devoir récolter un maximum de ressources si on veut pouvoir plus tard avancer correctement dans de bonnes conditions. Alors désolé pour aussi, il y a beaucoup de dialogues dans ce jeu. J'adore justement les jeux avec beaucoup de dialogues, comme par exemple Octopath Traveler. Ça veut dire qu'il y a une intrigue véritablement intéressante qui permet de... Bah, moi j'aime beaucoup les jeux en fait avec une histoire intrigante comme ça. Je les adore ces jeux. Donc c'est pour ça justement que j'aime beaucoup Dragon Quest Builders. Parce que ça, il est très sympa par rapport au nombre de dialogues qu'il y a. Et par la suite d'ailleurs on fera sûrement Octopath Traveler sur Nintendo Switch parce que c'est un jeu... Tout aussi bien. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'on est sur Nintendo Switch, hein, les amis. On n'est pas sur PS4, bien évidemment. Bon, on a récupéré pas mal de choses. On va aller déposer l'étendard de l'espoir dans la zone rouge. De cette façon. Une lumière douce et apaisante se répand alentour. Où qu'ils se trouvent, les gens seront attirés par la lumière aveuglante de l'étendard. Regarde, mon enfant, voici déjà quelqu'un. Plantez son drapeau. Lorsque vous plantez votre étendard de l'espoir dans le sol, la zone qui l'entoure devient votre base. Plus cette base se développe, plus la jauge en haut à gauche de l'écran se remplit. Ah tiens, il y a une personne. Bonjour, toi. Putain. Ah, attendez, j'ai fait des petites bêtises, voilà. À quoi sert ce drôle de drapeau?
Cet endroit a un petit quelque chose de spécial. Tout est si clair et si avenant. Je m'appelle Ève, et toi ? Demande des habitants. Si un point d'exclamation apparaît au-dessus de la tête d'un habitant de votre ville, cela signifie qu'il a quelque chose à vous demander. Alors, parlez-lui pour savoir ce qu'il veut. Donc, Ève, très bien. Bonjour Ève. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi qui as planté ce drapeau ici ? Tu t'appelles comment ? Tu viens d'où ? Tu ne te souviens pas ? Et c'est la déesse qui t'a dit de venir ici ? Comme ça, tu es amnésique et tu entends des voix. Ce n'est pas... Mais alors, pas suspect du tout ! J'avoue. Oh, mais c'est trop mignon ici. Ça te dérange si je m'installe ? Adrien, mon enfant. Même si le pouvoir en toi est grand, tu ne peux pas rebâtir quand tu l'entends seul. Avant toute chose, tu dois loger ceux qui viennent vivre ici avec toi. À l'exception de la porte, il reste bien peu de choses de cette maison délabrée. Répare-le en bouchant les trous dans les murs à l'aide de la terre. Tu peux planter des blocs au-dessous de toi en demandant de toi en maintenant L ou en dessous. En dessus plutôt de toi en dans L ou en dessous de, en maintenant R. Maintiens X pour empiler des blocs les uns sur les autres. Maintiens ce bouton tout en déplaçant pour aligner plusieurs blocs. Muni de ce savoir et de ces blocs de terre, redonne vie à cette maison en ruine. Adrien, ok, 5 blocs de terre. Ok, très bien, eh bien, nous sommes partis pour réparer donc du coup cette espèce de maison. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt compliqué par rapport à la cam. Voilà. Voilà. Voilà, bienvenue à... Adrien vient à bout de la tâche qu'on lui a confiée, d'accord. Wow, c'est incroyable! Ces murs étaient pleins de trous et ils sont comme neufs maintenant! Pardon? Tu les as réparés avec de la terre? Je te prenais pour un type bizarre qui entend des voix. Mais tu as réussi à réparer cette vieille maison en ruine! Tu dois avoir une sorte de don spécial! Tiens, c'est pour toi! Je les ai trouvés sur le chemin! Je les donne pour te remercier d'avoir réparé la maison pour toi, pour moi! Quête terminée. Pétale blanc. Tu dois avoir une sorte de don pour avoir réussi à réparer cette vieille maison. Comment as-tu fait ? Comment ? Tu as le pouvoir de fabriquer de nouvelles choses ? Fabriquer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Adrien, mon enfant, te souviens-tu de ce que je t'ai dit ? Il y a bien longtemps, les habitants de ce monde ont été dépossédés de leur pouvoir de création. Ton devoir est de les aider à retrouver ce don. Enfin, c'est très gentil de ta part d'avoir réparé cette maison. Mais elle ne servira à rien s'il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Malheureusement, je ne vois pas de torche dans les parages. Un établi de maçon se trouve près de l'étendard de l'espoir. Tu peux t'en servir pour fabriquer une torche. Prends ces matériaux, serre-t'en pour fabriquer une torche et montre à cette jeune fille que le fruit de ton labeur. Adrien obtient mesure de glu bleu. Adrien obtient une branche cassée. Moi j'en avais déjà, donc c'est pas très grave. Hein. Alors vous dites oui pour la caméra qui parfois a un peu de mal, on le voit hein, très clairement. La caméra a parfois un tout petit peu de mal. Mais bon, c'est pas très grave. Alors du coup, on doit crafter des torches. Voilà, et je vais aussi crafter une mousse de chienne pour plus tard. Comme ça, moi ça sera déjà fait. Il a la place dans le sac d'équipement. Ok, très bien. Et on va peut-être d'ailleurs se crafter déjà. Non, on verra plus tard, ok. Alors, mais où as-tu trouvé cette torche? Tu ne l'as pas trouvée, tu l'as fabriquée. Ça y est, je comprends ce que ça veut dire. Tu as ramassé des trucs par-ci par-là et tu les as transformés en torches. C'est ça? D'accord, je crois que j'ai saisi. Enfin, plus ou moins. Dis-moi, tu penses être capable de fabriquer quelque chose avec ça, s'il te plaît? S'il t'en faut plus, j'essaierai de t'en trouver d'autres. Quête terminée. Branche cassée. Ok. Alors, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Tu m'as dit que tu m'as pas dit comment tu t'appelais. Adrien? Qu'est-ce que ce nom? On n'a pas l'impression que tu as des pouvoirs spéciaux.
Mais on ne juge pas quelqu'un sur son nom, pas vrai? C'est clair, surtout que mon prénom, Adrien, il est incroyable, hein. Je suis désolé, mais Eve, t'es moche, voilà. Alors, Adrien, tu as toujours cette torche que tu as fabriquée? Tu devrais en placer une dans la maison. Une pièce n'est terminée que si elle comporte des murs hautes de deux blocs, une porte et une source de lumière pour dissiper l'obscurité lorsque le soleil est couché. Appuie sur X pour placer tes créations où tu les souhaites. Va, mon enfant, et installe cette torche à l'intérieur de la maison. Ok! Alors, attendez, on va juste casser un petit peu les blocs inutiles, là, les trucs un petit peu inutiles qui bloquent l'utilisation des torches. Et on va placer une torche ici, tiens. Voilà. Adrien a créé une salle vide. Ouais! Super! Cette pièce est parfaite maintenant qu'il y a de la lumière. Tu es incroyable, Adrien! Tu as vraiment des pouvoirs spéciaux. J'ai du mal à croire que quelqu'un a l'air aussi béni et autant de talent. Mais... laissez-moi la défoncer, celle-là, hein, vraiment. Et ça montre bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences, non? C'est clair. Alors tais-toi. En tout cas, merci Adrien. Désormais, on a un endroit où habiter. Graines de vie. Alors ça, c'est très très important. Qu'est-ce qui définit une pièce? Pour être reconnue comme telle, une pièce doit posséder des murs hauts de deux blocs, ou au moins une porte est une source lumineuse. Sans cela, ce n'est pas une pièce possible. Très bien. Alors donc, du coup, c'est quoi cet item? Ce sont les graines de vie. On peut les utiliser pour gagner en fait 5 PV de plus à chaque fois. Et ça, c'est très pratique. Mais dès que je meurs, par contre, je les perds. Donc, faut que je fasse attention. Alors, on va te parler. On va faire encore quelques quêtes. Merci beaucoup, Adrien. Grâce à toi, on a une jolie pièce. Mais tu ne crois pas qu'elle serait encore mieux si on avait quelque chose de... où se s'allonger pour dormir? Mais oui, tu pourrais peut-être nous fabriquer ça. Adrien, mon enfant, tu dois récupérer des matériaux pour fabriquer des lits. Si tu places dans une pièce, tu peux dormir dessus quand bon te semble, de nuit comme de jour, pour restaurer ta santé. Ce serait fantastique si tu pouvais fabriquer deux lits pour qu'on puisse s'allonger. Comme ça, on pourrait dormir l'un à côté de l'autre. Mais elle est folle, elle! Adrien, cette fois, je te laisse récupérer les matériaux dont tu as besoin pour fabriquer les nattes de paille que la jeune Eve t'a demandé. Une natte de paille est tressée en herbe feuille. Pour la fabriquer, tu dois d'abord... Adrien, est-ce que ça va? Eureka, Adrien, commandez-vous une natte de paille. Ok! Très bien. On a combien de temps de vidéo? J'ai pas regardé encore. On a 25 000 temps de vidéo. Eh bien, on va s'arrêter, les amis. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi ce premier épisode de notre nouveau Let's Play sur Dragon Quest Builders, malgré que j'ai déjà fait un Let's Play sur la démo. N'y prêtez pas attention. En plus de ça, la qualité du micro doit sûrement être meilleure que quand j'ai fait mon Let's Play sur Dragon Quest Builders. Donc, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va se regarder. C'était Zoria. Allez, sur ce, les amis, portez-vous bien. Allez, bye bye.